choisir d'exprimer notre fierté et de nous affirmer. Madame Marois, premièrement, je suis très honorée de vous présenter. Ça me fait plaisir de vous voir avec nous. Très touchée. Écoutez, je sais que vous êtes une femme très occupée, surtout en ce moment. Assez. Mais j'ai une petite faveur à vous demander. Quoi donc? J'ai un ami qui est au secondaire avec moi, qui aimerait vous adresser la parole. Vous savez, Mme Marois, les amitiés d'adolescence, nos amis du secondaire, on ne peut rien leur refuser. Est-ce que vous acceptez de rencontrer mon ami? Bien sûr que je vais accepter de rencontrer votre ami. D'accord, alors le voici. Robert Lepage! Wow! Vraiment, Robert? Merci. Merci tout le monde. Tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Robert Lepage. Je suis un artiste qui œuvre principalement dans la grande région de la ville de Québec, mais j'œuvre ailleurs aussi. D'ailleurs, je reviens d'Australie, où on m'a appelé pour me dire qu'il y aurait ce soir un événement mobilisateur d'envergure. Alors, c'est très important pour moi d'être ici parce que j'ai pensé que ce serait important qu'il y ait au moins un artiste de la grande région, de la capitale nationale, qui soit présent. Je considère que vous êtes la valkure de la politique québécoise. Pour ceux qui ont un petit peu de culture, vous savez de quoi je parle. Et vraiment, on peut dire que votre campagne électorale peut être qualifiée de wagnérienne. Et nous sommes nombreux à Québec, d'ailleurs, à applaudir votre longue et périlleuse chevauchée vers ce Valhalla, qui est la colline parlementaire.